Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour cet entretien la chanteuse soprano Jennifer Smith. Jennifer Smith, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Bien, pour commencer cette interview, je reviendrai sur un point. Le fait que vous appelez Jennifer Smith, il y a beaucoup de gens qui pensent que vous êtes anglaise. Anglo-saxonne, alors qu'en fait vous êtes lisboète, vous êtes née à Lisbonne. Je suis née à Lisbonne, c'est ça. Et je n'ai pas de sang anglais, finalement. Exactement, parce Oui. que vous m'aviez dit lors d'un entretien téléphonique que votre maman était brésilienne, elle était née dans le Voilà. nord-est, dans la ville de autour de Recife, c'est bien ça? Oui, Olinda. Oui, à Recife, Pernambuco. Mon grand-père maternel était autrichien et ma D'accord. grand-mère était brésilienne. Et puis de l'autre côté, de mon côté, de mon, du côté de mon papa, le grand-père était donc Schmidt, il était allemand et il a D'accord. épousé une Irlandaise. Donc il n'y a pas de sang anglais. Ah oui. Bon, Et il c'était a le fait. fruit de la globalisation déjà dans votre famille. Oui, surtout sud-américaine peut-être, parce que les Schmidt, enfin, quand il a, mon grand-père a tenu à ce que sa famille devienne britannique. Et ceci avant D'accord. la Première Guerre mondiale. Donc, ça, tout ça, j'ai appris par après. C'était complètement secret dans la famille. On ne parle pas de ça, peut-être à cause des guerres. Mais D'accord. oui, donc mon père a grandi, il est né au Chili, il a grandi en Argentine, à Buenos Aires. Et Oui. puis, ils ont déménagé au Brésil, Brésil, justement à justement, Pernambuco, où il a connu où ma il a mère. connu ma mère, Et voilà, et les deux familles les deux familles se se sont jointes. sont jointes. Du coup, vous avez toujours eu un attrait pour les musiques d'Amérique du Sud? Oui, toujours, parce que ma mère Ma mère chantait chantait beaucoup beaucoup de de musique musique brésilienne. Elle brésilienne, chantait beaucoup. Elle n'était elle pas n'était pas chanteuse, hein. chanteuse, Elle elle chantait chantait beaucoup. beaucoup. Et vous-même, vous avez été au Brésil? Oui, j'ai J'ai passé au passé au Brésil, Brésil. J'ai j'ai été été 4 jours à à Rio. Rio. D'accord. On m'a donné un cadeau de mon De mon 21e 21e anniversaire d'aller d'aller justement justement en Amérique du en Amérique Sud du Sud pour visiter un peu. visiter un peu. Mais j'ai pas J'ai été pas été passé par Recife en passé avion. par le récit en avion. Je suis sortie, D'accord. Je suis c'était sorti. C'était trop vraiment frustrant que vraiment j'y ai frustrant. 45 minutes à 45 l'aéroport. minutes à l'aéroport. Mais je me rappelle Et quelles toujours, sont je me vos rappelle musiques toujours. brésiliennes que vous aimez et toujours écoutez, qui sont restées toujours un petit peu dans votre oreille, etc.? Oui, il y a des musiques, donc l'autre jour, je vous parlais de Parlez de Canyon Cagnotte. avec Oui. son Avec groupe, son groupe, qui, il paraît, paraît allait aller jouer des jouer des sérénades sérénades sur la terrasse sur de la ma terrasse mère de ma mère brésilienne, la brésilienne. arrière-grand-mère brésilienne. Arrière-grand-mère. Et donc, il y a toutes ces musiques-là. On peut les On peut trouver les sur trouver sur YouTube, heureusement, YouTube, heureusement. les Canyotos. Et puis aussi la Aussi brésilienne, tout ce qui est la Chico Buarque, le le MPB, MPB, Caetano Caetano Veloso, Gal Veloso, Gal Costa, Costa, tous ces gens-là. toute la musique populaire brésilienne Oui, des oui. décennies des années 60 jusqu'à Voilà. aujourd'hui. Voilà. La La naissance de la naissance de bossa la bossa nova, Tom Jobim, Vinicius de Tom Moraes, Jobim, oh Tom Tom Jobim, Gilbert. oui. Ouais. Ah oui. Oui, j'ai même un volume de musique de Tom Jobim, de composition, et j'ai fait quoi au piano de déchiffrer ces choses. C'est vraiment de la Magnifique. toute grande musique, hein. Ah oui. Ah Ah oui. oui.
Pour moi, c'est l'un des compositeurs de musique, du répertoire de la musique populaire brésilienne que je préfère, en fait. Tom Jobim, il a écrit des harmonies, des mélodies qui restent intemporelles. Absolument. Ordinaire. Agua bébé. Agua de bébé. Oui. Agua de bébé. Agua de bébé. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Il y a même une très belle chanson qui est un petit peu moins connue de son répertoire, qui s'appelle Louisa, qu'il a écrit vers la fin de sa vie et qui est magnifique. Ah oui. Je crois que ça me dit quelque chose. Jennifer, vous avez grandi donc à Lisbonne. Et je voudrais savoir, jusqu'à l'époque où vous avez été diplômée du conservatoire de Lisbonne, mm-hmm. si vous pouvez nous raconter un peu vos années de formation musicale à cette époque-là. Oui, bon, j'ai commencé à l'âge de 6 ans à apprendre le piano. J'étais la première élève de cette prof qui avait 18 ans. Et on est devenu très, très, très amis. Toutes nos vies, elle est maintenant décédée, mais elle m'a appris tout ce que je sais presque sur la musique. Elle était extraordinaire, bonne comme pédagogue. Extraordinaire. Et alors, j'ai continué avec elle et mes études, puis avec sa famille qui avait de très, très bonnes profs d'harmonie, de solfège, tout ça. Et puis, j'ai suivi ce parcours jusqu'à le conservatoire. Et j'ai fait le conservatoire aussi à Lisbonne. Avec un professeur qui est d'ailleurs... On le voit derrière moi. Oui, tout à fait. Je vois le portrait, oui. Oui, oui. C'est moi qui ai fait le portrait. D'accord. J'ai volé une photo. Enfin, volé. J'ai emprunté. Emprunté une photo. Je lui ai demandé, bien sûr. Non, c'était pas un vol. Une photo de billet d'identité. Vous savez, les petites photos. Oui, de carte d'identité. Oui. De ça, j'ai fait le portrait. Et il était très content, bien sûr. Mais lui, il était un tout grand professeur. Vraiment. Moi, je le compare à Léonard. Donc, c'était votre professeur de chant lyrique, c'est ça? Oui, éventuellement, il a été mon professeur de chant lyrique, mais il a commencé comme professeur d'harmonie et de composition, d'accord. Contrepoint, et histoire de la musique et tout ça. Mais il m'a aussi enseigné le chant. Ouais. Vous êtes sorti diplômé du Conservatoire de Lisbonne à quel âge? Vingt-six, vingt-cinq. Oui. Jennifer Smith, j'aimerais qu'on revienne juste un petit peu avant dans votre jeunesse. J'aimerais connaître, moi, quelle était votre première émotion musicale, avoir écouté un disque qui vous a touché, ému. Bon, moi, je ne me rappelle pas, mais il paraît, c'est une légende familiale, que quand j'avais six mois, oui. Bon, donc, on amenait toujours le pérambulateur des bébés. D'accord. La poussette, mais la poussette. Ça, mais voilà. Pram, je ne sais pas. Pram. En français. On amenait toujours à l'heure du thé. Et on faisait de la musique sur le tourne-disque. Mon père avait une très belle collection de disques. Et très ésotérique, mais qui... D'accord. Mais il paraît que, alors, ils ont mis un nocturne de Chopin, joué par Chopin, sur un 78 tours. Magnifique. Et tout à coup, mon grand-père, qui était là, le grand-père Schmitt, il a dit Listen to that child. Et il paraît que moi, je chantais avec le disque en me balançant nocturne en si bémol, je crois,
je ne sais plus le numéro, mais qui a une partie intérieure. Ah oui, ça fait comme une petite berceuse au final. Et c'était ça que je chantais. Ça fait un beau souvenir, effectivement. Si non è vero, è ben trovato. C'est vrai que vous êtes polyglotte. Vous parlez combien de langues, Jennifer? Trois. Trois langues. Oui. C'est vrai que pour interpréter des opéras, il faut au moins être trilingue au minimum. L'italien, oui, l'allemand. Et on apprend un peu comme un perroquet les langues. Moi, oui, d'accord. J'ai chanté des opéras en russe, par exemple. Ça ne veut pas dire pas russe. Russe. Oui. Si on a un bon coach. On apprend. Il faut un bon coach. Jennifer Smith, je voudrais vous. Vous êtes sortie diplômée du conservatoire de Lisbonne à 26 ans, mais peu de temps après, vous êtes partie en Angleterre. Pourquoi êtes-vous partie en Angleterre? J'aimais beaucoup. Je travaillais comme choriste et comme jeune soliste avec le chœur Gulbenkian. Vous avez peut-être entendu parler, peut-être pas. D'accord. Mais avec le chœur Gulbenkian, on est parti à Bagdad. Ah, l'histoire. D'accord. Non, mais j'étais donc choriste, je faisais des opéras. Il y avait le festival Gulbenkian à l'époque, qui faisait des productions absolument fantastiques. Et ils invitaient souvent des équipes de l'étranger. Ils ont invité une équipe anglaise. Donc, les Anglais ont le thé dans les tripes. Et cette façon de travailler m'a tellement marquée positivement que je me suis dit, non, moi, je vais partir en Angleterre. Je veux travailler comme ça, avec ce genre de... Voilà, ils sont extraordinaires. Donc, j'ai fait tout pour partir en Angleterre. J'ai obtenu une bourse de la Gulbenkian. Et donc, je suis partie à Londres et j'ai trouvé un prof. J'allais trouver une professeure qui était merveilleuse aussi. Et à travers cette dame, j'ai connu Pierre Bernac, qui est un grand baryton français, avec qui j'ai aussi beaucoup travaillé. Donc c'était un chemin assez logique et bon. Voilà, j'ai beaucoup appris, mais j'ai tout de suite commencé aussi à chanter professionnellement. Parce que j'avais le cœur Gulbenkian, j'avais eu des opportunités de chanter en Suisse. Et comme ça, petit à petit, j'ai chanté comme soliste à Lisbonne, mais j'ai aussi connu des gens comme David Wilcox, qui m'a donné mes premiers jobs en Angleterre. Voilà. C'est parti comme ça. Donc, vous avez été professionnel quand vous étiez à Londres. C'était vers quelle époque, quelle année, ça? Je suis passée à Londres en 70. 70. 70-71, oui. Vous avez commencé à travailler professionnellement dans le chant tout de suite après? Non, là, oui. En même temps que mes études, j'avais de temps en temps un concert payé, voilà. Et trouver un agent, choses comme ça. Donc, c'est des... Mais vous savez, c'était beaucoup plus facile à cette époque. Ah oui? Racontez-nous un petit peu pourquoi. Parce qu'il y avait beaucoup moins de concurrents. Moi, j'étais prêt, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, maintenant, c'est vraiment... Tellement, il y a tellement de concurrence, je ne pourrais jamais maintenant commencer une carrière. Je ne supporte pas. Pendant ces années où vous étiez adolescente et en formation musicale à Lisbonne, il y avait Maria Callas qui était au fait de sa gloire.
Je l'ai vu. Oui. Est-ce que Oui, c'était une chanteuse qui Claude, vous a Claude. influencé et est-ce que vous l'admiriez, vous écoutiez beaucoup sa musique? Absolument. Allez-vous dire que vous m'avez demandé les émotions musicales? Justement, c'est mon idole, Maria Callas. D'accord. J'ai travaillé avec elle en écoutant ses disques. Mon père, Oui. qui a cette Ce discothèque discothèque merveilleuse, merveilleuse. il avait Il un avait un disque disque des des airs de airs de Puccini par Puccini Maria par Callas. Maria. Et Et j'écoutais, 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 et j'écoutais, j'ai j'écoutais beaucoup de choses avec choses elle. avec elle. Beaucoup. Beaucoup. Et Et puis, puis, j'ai j'ai su, su, je je connaissais par connaissais par le cœur le cœur Gauvain qui Gauvain qui avait a le travail qu'on travail qu'on faisait. faisait. Qu'est-ce que j'avais, Que j'avais 20 ans, 20 ans, 21 ans? 21 ans. Il y avait Il un y avait un chef chef d'orchestre, d'orchestre, Carlo Carlo Felice Felice Gillario, Gillario, Carlo Felice Gillario, Gillario. qui a Qui a dirigé la la Callas Callas dans dans la la production de production de Tosca Tosca à à Londres, Londres, Garden, Garden. avec Magnifique. comment Comment s'appelait s'appelait ce ce, metteur ce metteur en en scène? antenne? La La fameuse fameuse production de production Tosca, Tosca. avec la Avec la grande grande robe de robe velours de... Ah rouge oui, de Démarque. de Oui. Démarque. Eh bien, D'accord. j'ai J'ai emprunté la robe de emprunté mon la robe beau-frère de mon pour aller à aller à Londres Londres. D'accord. et voir Et le voir spectacle. Et le le chef, chef bien sûr, m'a invité dans invité dans, son, dans la loge. sa Ça... Ah oui. cloche. Voilà. Alors, oui. Alors, Et et j'ai j'ai vu vu ce ce spectacle. Aïe, 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 aïe. Vous l'avez Quand rencontrée, vous elle avez est pu lui entrée parler en un scène, petit peu, Maria Callas? oui, un tout Un petit tout peu. petit peu. Oui. Oui, c'est extraordinaire. Comment s'est passé justement ce moment-là de rencontre avec elle? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, c'était, j'ai rien dit, je ne sais pas, Je ne j'ai sais pas, j'ai bafouillé pas quelque chose. quelque chose. Tout à l'heure, vous parliez que vous avez beaucoup appris en chantant sur les disques de Maria Callas. Et c'est En vrai écoutant, que en écoutant, et on a beau étudier le chant, l'harmonie, la technique vocale, rien ne remplace au final l'écoute de l'autre. c'est ça. Oui, je crois Je que crois que si on sait si on sait écouter, écouter, si on sait et écouter, tout ça, à fait. oui, et ça, Oui, c'est ce que j'ai appris avec cette cette première première prof. prof. Elle m'a vraiment à écouter. À écouter. Il y a une Voilà. autre influence, une autre grande influence que j'ai eue Que de j'ai la eu de la discothèque de mon père, Oui. c'est Birgit Nilsson, la D'accord. grande chanteuse wagnérienne. Mmh. C'était encore une fois un album, vous Vous savez, savez, un long play, des airs, des airs, des airs de... des airs de des airs de Wagner Wagner et et de... de c'était de Weber, Wagner Wagner et Beethoven. et Beethoven. D'accord. Là aussi. Là Aïe. aussi. Ça, Vous c'était un avez souvenir. comme répertoire de prédilection, on peut dire que c'est quand même la période baroque. Vous aimez particulièrement Purcell, vous aimez Oui. Handel également. Et comment est-ce qu'on trouve sa voix dans son répertoire quand on est chanteuse de lyrique? J'ai D'accord. énormément enregistré de baroque. Voilà, parce que moi, je vois que vous avez très, beaucoup fait avec les arts florissants, voilà, Oui. d'enregistrement du répertoire baroque. Ça a Vous savez, occupé une grande partie de votre carrière. oui, mais vous savez, on fait, on là où on nous paye. C'est Oui. le boulot, quoi. Bien sûr. Mais je dois dire que j'ai J'ai commencé commencé avec ce grand prof-là qui était là. Oui. D'abord, deux choses. J'ai commencé avec la musique La musique médiévale, pas médiévale. avec musique médiévale et de la Médiévale et de Renaissance, avec un groupe qui avec s'est un groupe formé qui à s'est Lisbonne formé à Lisbonne de musique ancienne. de musique Donc, j'ai ancienne. commencé Donc, j'ai avec ça. commencé avec ça. Et avec Et lui, avec j'ai lui, j'ai fait fait beaucoup de Fauré, Fauré, Gabriel Fauré, Gabriel Fauré. Oui. Debussy, Debussy, Schubert, Schubert. Schumann. Voilà, ce Voilà, ce répertoire-là. répertoire-là. Donc, C'est c'est très varié, très si vous varié, voulez, si vous mais c'est voulez, une mais c'est une bonne bonne base base vocale. vocale.
vocale. Bien sûr. Hein? Et après, quand je suis partie en Angleterre, oui. Et que j'ai travaillé avec Winifred Bradford et Pierre Bernac. D'accord. Alors, Winifred Bradford, c'est surtout le bel canto. D'accord. Le pur bel canto. Donc, j'ai vraiment eu une chance folle parce que j'ai eu toutes ces écoles, c'est ça? Je n'étais pas braquée sur une chose, le médiéval, le baroque. Mais l'apprentissage du bel canto, qui est le beau chant, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est la pure technique vocale, a permis que je puisse chanter le baroque, que je commençais à faire beaucoup, les Handel, Bach, tous ces gens, Telemaco et tout ça, bien sûr. Avec une bonne technique. C'était pas à l'envers. C'était dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et quand vous chantiez du Schubert, par exemple, dans une langue qui n'était pas votre langue maternelle, comment on s'adapte à cette difficulté de prononcer la phonétique de la langue allemande du début du 19e siècle, quand ce n'est pas sa langue? On travaille, comment est-ce qu'on travaille ça? N'oubliez pas que c'est mal. Un grand-père allemand, ah, oui. Et un autre grand-père autrichien, ah, oui. Quand même dans les gènes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il est dans le ADN. Et oui. En plus, j'ai fréquenté le lycée Sorbonne, le lycée français Charles Lequier. Pendant 9 années. Et j'ai eu la femme de l'épouse du proviseur, était allemande. Et c'est elle qui j'ai suivi pour cours tout le lycée. Quoi. D'accord. Et elle était très exigeante. Voilà. Donc, oui, j'imaginais qu'elle devait avoir un niveau d'exigence très élevé. Donc, pour vous, ça ne vous posait pas de problème de chanter en allemand? Non, pas du tout. Non, j'aime beaucoup. Il y a des façons de chanter allemand. Hein. Mon idole, mon modèle pour l'allemand, c'est Hans Hotter, la grande basse bariton. D'accord. Beaucoup de Wotan et tout ça. Hans Hotter. Il prononce l'allemand. C'est incomparable. Jennifer Smith, je voudrais savoir quel est le personnage d'opéra qui vous ressemble le plus par rapport à votre personnalité. Ah, c'est difficile à répondre ça. Oui, j'imagine. Bon, j'ai chanté des Noces de Figaro, mais j'ai aussi chanté Marceline, qui est comique. Moi, mon rêve avait été, et maintenant ce sera au paradis, de chanter Ise, Tristan et Ise. Mais voilà. Mais tous les rôles, j'ai aimé tous les rôles que j'ai chantés. Parce qu'on est toujours amoureux du rôle qu'on chante sur le moment. D'accord. Oui. Mais je chante aussi la folie dans l'athée de Rameau. Ça, c'est très moi aussi. Est-ce que dans votre carrière, quand vous interprétiez un personnage à l'opéra, vous aviez des fois des dissensions par rapport à la manière de l'interpréter? De la vision du chef d'orchestre, par exemple, ou des personnes qui étaient à la direction de l'opéra? Je ne me rappelle pas de dissension, non. J'ai aussi toujours eu beaucoup de chance avec les gens qui m'ont dirigé.
musicalement et scéniquement, oui. Et parmi tous les chefs d'orchestre avec lesquels vous avez travaillé, quel est celui avec lequel vous avez les meilleurs souvenirs? Vous me posez des questions super difficiles. Oh, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, c'est comme vous voulez. C'est parce qu'il y en a tellement. Peut-être une anecdote particulière qui sortirait du lot, je ne sais pas. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec Minkowski. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui. J'ai énormément travaillé avec John Elliott Gardiner. Rudolf Kempe. Ça, c'est quelqu'un que vous vous rappelez plus certainement. Pianiste également. Non, ça c'est un chef. Rudolf Kempe. Ah d'accord. Qui était de cette vieille école qui parle très peu, mais qui dirige comme un magicien. D'accord. Oui. Pianiste, ah oui. Avec des pianistes extraordinaires. Selon vous, un chef d'orchestre justement qui dirige comme un magicien, qu'est-ce qui fait une différence par rapport à un chef d'orchestre, on va dire, qui fait son travail, mais peut-être où il y a un petit peu moins de magie? Ça vient de quoi, selon vous, ça, cette magie qui sort comme ça de la baguette? Mais je crois que ça vient de sa personnalité. De son talent, c'est une habileté, un talent de transmettre, transmettre quelque chose. C'est difficile à définir. À matérialiser, définir. Jennifer Smith, quel est le lieu, le plus beau lieu dans lequel vous vous êtes produit dans votre carrière? Le plus beau lieu. Ah, à Athènes. Dans le Hérodes, théâtre qui est en dessous du Panthéon. D'accord. En plein air. Ouais. Là, c'est... J'ai chanté Iphigénie en Tauride là-bas. C'était à quelle occasion ce concert? C'était un spectacle. D'accord. Mise en scène et tout. C'était une dame extraordinaire qui est maintenant décédée Lina Lalande, qui est grecque. Elle habitait à Londres et elle avait fondé un groupe, une compagnie, si vous voulez, qui s'appelait English Bar. Mais on ne faisait jamais de bar. Mais elle était extraordinaire parce qu'elle avait un thé pour les nouveaux talents. Et elle les engageait toujours, sachant aussi qu'ils n'avaient pas toutes les conditions, parce qu'ils étaient jeunes débutants, et elle payait très mal. Oui. Mais elle avait, elle avait toujours, toutes les années, elle faisait une belle production à Covent Garden. Dans le théâtre d'opéra de Londres. Où on faisait tout en une journée. La répétition technique. L'après-midi, c'était la répétition générale. Et le soir, c'était le spectacle. Vous voyez un peu. Mais oui. J'étais content parce que c'était Covent Garden. C'était merveilleux. Mais elle jouait aussi partout dans le monde et toujours en grec. Toujours. Parce qu'elle est, elle avait de, son mari était grec. Et alors, c'était la production de Iphigénie en Tauride et parler d'Agamemnon et de tous ces gens, n'est-ce pas? Et Orestes et tout. Et avec le Parthénon là-haut et la pleine lune.
Surtout que vous étiez sur la Inoubliable. terre de Maria Callas en plus, donc il y a un émotionnel en plus pour vous. Ah, oui. Il paraît qu'elle était dans la salle. Ah non. Non, 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 elle n'était pas dans la salle. C'était Irene Papas qui était dans la salle. D'accord. Une autre héroïne, je dois dire. Oui. Ouais. Jennifer Smith, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un trac avant de monter sur scène? Pas de là à ce que ça vous empêche de chanter, mais quelque chose qui soit plus prenant que d'habitude. Toujours. Oui. Toujours, toujours. Un trac affreux. Affreux. Où je voulais mourir, ou prendre l'avion pour C'est vrai. Tokyo. Ah oui, à ce point-là. Oh, horrible. Et chaque fois pire. Chaque fois pire. Et à votre avis, il est nourri par quoi ce stress? Parce que forcément, on a beau répéter son texte, son chant, c'est sûr qu'une fois que le rideau se lève, il y a quelque chose où on ne peut pas se permettre de se tromper, quoi. Donc, il y a ce stress-là qui est Oui, c'est apparent. ça. Moi, j'ai une mauvaise mémoire pour les paroles, par exemple. Mais pour les opéras, parce qu'on a tellement de répétitions. Mais pour les récitals, j'ai toujours une peur bleue d'oublier les paroles, parce qu'il y a pas 15 notes. Et ça, c'est un stress. C'est un stress. Oui. Et Mais comment on fait pour le vaincre, ce stress? rien. Moi, Ouais. je prie un peu. Mais ça ne sert à rien. Aide. Non, non. Et ça devient de pire en pire parce que le plus on est connu, le plus le public attend de toi. Ah oui, Alors, effectivement. c'est. Y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Hein. Il n'y a Ouais. pas de solution. Il Non. n'y a pas de Jennifer Smith, est-ce que vous aviez un petit secret, un petit violon d'ingres pour protéger vos cordes vocales tout au long des concerts et des représentations pour les préserver? Vous aviez quelque chose, un petit secret? Non, et je dois vous Confesser confesser que pendant jusqu'à peut-être jusqu'à 15 ans, je fumais un paquet de Marlboro tous les jours. D'accord. Et même Même une fois, j'avais un une fois, festival à à Londres, Londres, je ne j'avais, fumais pas. je ne fumais plus. Mais à Mais l'entracte, à j'avais l'entracte, besoin de fumer j'avais besoin pour de fumer sécher quelque pour chose dedans. sécher. Et j'ai envoyé mon agent chercher une cigarette à Cigarette. l'entracte de Oui. fumer. Oui. Non, je ne faisais pas trop attention. Trop Et attention. puis ce Et ce professeur-là, professeur-là, que Ronald Ronald Vasconcelles, Vasconcelles, il il fumait fumait constamment constamment. et dans les Dans les leçons leçons et tout. et tout. Et donc, on apprenait un peu à ne pas avoir de complexe, de nerfs, de manie. Il a dit, vous Il a savez, dit, vous sur savez, sur scène, il y scène, a les il y a pires conditions pour la voix. Il y a ouais. les techniciens qui fument, il y a des courants d'air partout, donc il ne faut pas Partout, trop se faut pas ménager. trop se ménager. C'était un bon Et conseil. c'était un bon conseil. Et au final, ça a marché pour vous. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché, oui. Jennifer Smith, est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune chanteur ou une chanteuse qui débuterait sa carrière et qui aimerait en faire son métier? D'être vrai, d'être soi-même, de ne pas trop faire aux critiques, ni bonne ni mauvaise, surtout bonne peut-être. Oui, de laisser sa personnalité au final s'exprimer et de ne pas chercher à Oui. copier ce qui a déjà été fait. Non, non. Copier uniquement pour apprendre, parce que Oui. on est tous On est apprentis finalement, même dans la peinture, dans nous la peinture. Mais être vrai Être vrai. et beaucoup travailler, beaucoup travailler, Travailler beaucoup beaucoup. faire des Faire recherches, des recherches. voir de belles Voir choses, de belles choses.
pas seulement dans son répertoire, mais tout le répertoire. Tous les répertoires. Instrumental, orchestral, choral, toutes les musiques. Et puis, tout ce qui est beau, l'architecture, la peinture, la sculpture, la lecture. Oui, d'aller chercher l'inspiration au final dans diverses formes d'art et ne pas rester cloisonné à un style. Oui, oui, oui. Parce que on voit beaucoup, ça s'est enseigné au Royal College de Londres. Et on voit vraiment, il y a, pour la plupart, ils sont branchés sur leur répertoire. Ils connaissent rien, ils n'ont pas cultivé. Ils n'ont pas de culture. Et quand on voit les grands artistes du passé, c'est des gens éminemment cultivés dans tous les domaines. C'est dommage. Mais je crois que c'est aussi un peu parce que c'est tellement un marché depuis 30 ou 40 années. C'est un marché. Tout est un marché. Oui. Se pense obligé de faire des tas de choses pour avoir du travail. Du coup, ce que vous voulez dire, c'est que les chanteurs de maintenant doivent se spécialiser dans un secteur de niche pour pouvoir percer, c'est ce que vous voulez dire? Non. Non, non, je crois qu'ils écoutent beaucoup trop les gens qui vont les donner du travail. Donner du travail. Je m'exprime très mal. Oui, il faut peut-être que c'est bon de se spécialiser dans une, mais pas dans une niche, parce que la musique s'alimente. Tout à fait. Les différents styles. Oui, elle se nourrit de différents styles. Oui, se nourrit de différents styles et de tout, quoi, de tout. Jennifer Smith, j'ai lu dans votre biographie que dans votre carrière, vous avez eu l'opportunité de jouer devant la reine Elisabeth et le prince Philippe. Ah, est-ce oui. que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Ça fait quelque chose. Ça, c'est une... Vous avez combien de temps? Parce que c'est très drôle. C'est très, allez-y, très drôle. Je veux écouter ça. Bon, alors, j'étais donc artiste portugaise. Hein? Oui. Et quand la reine est visitée Lisbonne dans, je ne sais plus, 70 quelque chose. 85, j'ai lu, moi. Non, c'était pas ça? C'était pas les années 80, oui, plutôt? J'étais déjà à Londres, oui. D'accord. Et alors, moi, j'ai pensé, mais il faut lui... Elle n'aime pas la musique. Elle n'est pas musicienne. Si c'est à cheval, ça... alors, j'ai choisi trois chansons de ce maître, il était compositeur aussi, très joli, et j'avais un ami qui est décédé, et qui était aussi à Londres, et qui a fait une très belle traduction, très poétique, parce que c'est le poète Camoens, Louis de Camoens. Vous connaissez? Louis de Camões, le poète du 16e portugais. Et donc, mais d'une concision, les poètes d'une concision. Et alors, il fait une très belle traduction en anglais. J'ai envoyé ça aux organisateurs du concert. Oui. Personne ne me l'a demandé, je l'ai envoyé, je pense qu'il vaut mieux que Her Majesty comprenne de quoi je parle. Alors, voilà, il s'était soumis, et j'arrive en retard presque pour le concert, en avion. J'ai les motos devant la limousine qui m'a cherché, voilà, jusqu'au théâtre de la Marie. Et je mettais mes bigoudis chauffants quand un des organisateurs m'a apporté le programme. J'ai pas eu le temps. Je suis allée répéter dans les coulisses. Le piano était encore dans les coulisses. Vite fait pour voir le pianiste. Voilà. Bon. Après,
On était tous en ligne pour que la reine vienne me dire bonjour. Et elle me dit, oh, very strange translation. Ah oui, elle vous dit ça. Et moi, je veux sourire comme ça, parce que on ne peut pas contredire la reine, n'est-ce pas? Ah oui. Dans le protocole, on ne peut pas contredire la reine. Je pensais, mais c'est une traduction ravissante, qu'est-ce que vous parlez. Et après, c'est parce que je n'avais pas regardé le programme. Quand j'ai regardé le programme, bon, ils avaient envoyé à ce monsieur qui était retourné à Lisbonne cette traduction, et il avait oublié son anglais, et il a fait une révision qui parlait d'une... il y avait le mot wobbly, je ne vais pas vous... Wobbly, c'est wobbly, c'est comme une gelée. D'accord. Et ce n'était pas le cas du tout. C'est une jeune fille qui va à la fontaine prendre de l'eau. Et parce qu'elle est pieds nus, elle est un peu pas sûre. C'est ça, non segura. Hai formosa e non segura. Entendi. Entendu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? She goes, there she goes, beautiful and wobbly. Ah, d'accord. Alors, moi, j'ai regardé la loge. Ouais. Et je jure que j'ai vu le prince Philippe faire comme ça à la reine. Ah oui. Ils ont tous deux eu le fou rire. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'elle vous a dit que la traduction était bizarre. C'est possible que moi je pensais qu'elle connaissait le portugais, parce que vu qu'elle parle déjà très bien français, elle aurait pu traduire devant la traduction du portugais à l'anglais. Non, c'était pas parce qu'elle connaissait. C'était le choix de cette parole wobbly. Oui. Et malheureusement, je n'avais pas vu, donc je n'ai pas pu échanger. Bon, au moins, vous avez fait rire le couple royal, donc c'est tout à votre honneur. Wobbly. Jennifer Smith, au début de l'interview, on a parlé du répertoire brésilien, mais on n'a pas parlé du répertoire portugais. J'imagine qu'en grandissant à Lisbonne, le fado a dû avoir une répercussion assez importante dans votre éveil musical, notamment à Maria Rodrigues. Oui, que j'ai malheureusement pas entendu en personne et je ne l'ai pas connu non plus. J'aurais pu, mais j'ai loupé. C'était une occasion loupée, malheureusement. Oui, c'était très important. Mes parents avaient des amis qui allaient dans les maisons de fado pour écouter. Moi, j'ai beaucoup écouté le fado, oui, oui, oui. Mais il y avait aussi des professeurs, des compositeurs classiques qui ont relevé des chants populaires, folkloriques dans tout le pays, et à Madère. Et j'ai beaucoup chanté ces choses. Oui, beaucoup. Et puis les chants de mon professeur. Surtout que dans le fado, il y a quand même une dimension de nostalgie, de la douleur émotionnelle de l'intérieur qui est très forte. Et ça doit jouer pour l'interprétation pour une chanteuse lyrique dans un opéra, par exemple. Oui. Ça doit influencer en quelque sorte. Oui. Ah oui, tout à fait. C'est le chant émotionnel. Exactement. Oui. Le chant émotionnel. Et ça, j'ai toujours essayé de chanter avec émotion. Tout à fait. Oui. Oui. Jennifer Smith, lorsqu'on s'est téléphoné avant cette interview, vous m'aviez dit que vous vouliez parler de votre attrait pour le chant grégorien. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur votre amour pour le chant grégorien? Oui, donc j'ai... Quand on faisait l'histoire de la musique, par exemple, n'est-ce pas? Il y avait le chant grégorien, les huit modes. Ça, et je me disais, mais c'était cette histoire de mode. Et ça me tirait, je voulais savoir plus. Mais
de chanter toutes autres choses et tout. J'ai fait un tout petit peu cette phase de musique médiévale et de la Renaissance. On a fait un petit peu de chant grégorien, bien sûr. Et j'ai aussi, à côté du conservatoire, il y avait le collège anglais, English College, qui est le séminaire qui a été fondé à l'époque d'Henri VIII et après, que le catholicisme était interdit en Angleterre. Donc, pour former des prêtres, il y avait trois collèges. Un à Lisbonne, un en Valladolid et un à Rome. Voilà. Et alors, à Lisbonne, c'était où? C'était à côté du conservatoire de musique. Et moi, j'allais de temps en temps. Et surtout pour les grandes fêtes, Noël, Pâques, etc. Et c'est là que j'ai entendu chanter le chant grégorien pour la première fois, par les étudiants, les séminaristes. Et donc, voilà, c'était une première expérience. Et quand je suis allée en Angleterre, j'ai connu beaucoup de bénédictins. Je ne vais pas vous donner les détails, c'est pas la peine. Et tout à coup, un des moines de cette abbaye bénédictine à Londres m'a demandé des leçons de chant. Donc, il est venu et il a mis devant moi le graduel. Donc, c'est les chants liturgiques, n'est-ce pas, en chant grégorien. Et je regarde ça. Et c'était du chinois. La notation complètement du chinois. J'ai dit, mais où est-ce que je commence? Alors, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il va falloir que j'apprenne. Donc, je suis allée dans un autre monastère bénédictin pour apprendre. Et j'ai appris très vite. Finalement, c'est beaucoup plus facile à lire, la notation au carré, beaucoup plus facile que la notation moderne, mais beaucoup plus facile. On peut apprendre enfant. Voilà. Et une autre petite histoire, c'est que je suis allée un été à Marlborough, dans le Vermont. Pardon, vous pouvez répéter, je n'ai pas eu la fin de... Marlborough, je suis allée à Marlborough dans le Vermont, en Amérique, invitée par André Cliff, parce que c'est l'école où tous les musiciens se réunissent pour faire de la musique de chambre. D'accord. Alors, moi, c'était un honneur, c'est un des grands honneurs que j'ai jamais reçu dans ma vie, d'aller être professeur là-bas. Et puis, un jour, en ville, là-bas, à Bangor, j'ai vu un disque qui s'appelle Chant. Donc, chant. Et il y avait des moines sur le... Et je me suis dit, c'est un CD. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'était par les moines de San Domingos de Silo. Et c'est devenu un best-seller quand ils ont sorti ça. C'était des moines bénédictins. San Domingos de Silo en Espagne. En Espagne, d'accord. Oui. Ils ont depuis beaucoup d'ennuis à cause de CD parce qu'ils n'ont rien gagné avec. Bon, une grande histoire. Mais. C'est la première fois que j'ai vraiment écouté des moines chanter le grégorien comme il faut. Très, très, très beau CD. Je le recommande. Et il y a, juste pour vous montrer comme c'est ça devient une pièce de musée, j'étais dans un appartement, dans le bois, près de l'école, et il y avait un violoncelliste qui était dans l'appartement à côté de moi. Et il fallait passer par ma fenêtre pour aller chez lui.
Et ce CD, et je le vois passer, et puis il revient en arrière, carrément. Et par la fenêtre, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il connaissait pas du tout. Voyez, oui. Un professeur de violoncelle qui ne connaissait pas le chant grégorien. Ça m'est resté dans... Bon, alors voilà, je retourne en Angleterre et je commence à enseigner le chant. Oui. Et je me développe aussi un peu dans le grégorien. J'apprends un peu plus, c'est un répertoire extraordinaire. Je commence un pilote, un cours pilote, je crois qu'on peut appeler ça, non, au Royal College of Music. Ah oui, censé... et comment? Oui, je vous suis, allez-y. Oui, et qui est censé être le centre d'excellence de la musique de l'Occident. Eh bien, il n'y a pas de cours de chant grégorien. Ah oui. Mais moi, j'ai tellement passionné que j'ai fait un peu de publicité et j'ai eu toutes les semaines, c'était pas officiel, hein, c'était comme un club, si vous voulez. J'avais toutes les semaines à peu près 6 élèves, élèves. Il y avait aussi quelqu'un qui travaillait dans le musée d'instruments, prof de je ne sais plus quoi, de flûte ou de guitare, je crois. Et on a chanté des chants de Noël avant les vacances de Noël dans la grande entrée du Royal College et dans les escaliers. Parce qu'il y a une belle acoustique. Un succès. C'est vrai, un succès fou. Oui. Mais même comme ça, ça n'a pas été établi comme cours officiel. Bien sûr. Non. Jennifer Smith, vous avez, après votre carrière de chanteuse, vous avez découvert une passion pour la peinture que vous exercez avec talent dans la peinture d'icônes. On peut en voir quelques-uns derrière vous accrochés sur les murs. D'où vous êtes venue cette passion et pourquoi les icônes? Ben, j'ai toujours aimé les icônes. J'ai toujours aimé la. C'est hiératique. J'aime beaucoup. Et un jour, en sortant de la messe, ici déjà en France, à 4 km de mon village, je vois un écriteau qui dit atelier d'icônes. Tiens. Alors, après quelques semaines, je suis allée flairer et j'ai commencé. J'avais aucune intention de suivre un cours. Hein. Mais voilà, c'est venu comme ça. Et j'ai fait, en trois années, j'ai fait le cours de quatre ans, de quatre années. Et je ne me suis jamais arrêtée. Jennifer Smith, c'est la fin de notre entretien. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot pour conclure cette interview? Non, pas vraiment. Je ne sais pas, j'ai une devise sur mon mail. Oui, vous pouvez nous la dire? Oui, c'est « La beauté sauvera le monde ». C'est pas moi, c'est Dostoïevski. Et je ne sais plus dans quel roman c'est, mais on peut le voir, on peut le chercher en ligne. La beauté sauvera le monde et pouvoir voilà. Et c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a tellement de d'acceptation de laideur dans tous les domaines. Depuis l'architecture, dans l'art, il n'y a pas assez de beauté. C'est pas de la décoration. C'est la vraie beauté.
Eh bien, Jennifer Smith, je vous remercie beaucoup pour avoir participé à cette émission et je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Merci Mathieu. Au revoir. Au revoir.